Hello les filles, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de développement personnel puisque j'ai vu que la première vidéo que j'avais fait vous avait beaucoup plu. Juste avant ça, vous pourrez remarquer que j'ai sûrement coupé mes cheveux, voilà, j'ai refait un carré parce que ça me faisait envie et surtout, comme vous le savez, j'étais un peu dans une crise capillaire où j'avais mes cheveux hyper abîmés, tout ça à cause de, des décolorations que j'avais fait, etc. Donc là voilà, j'ai quasiment coupé tous les cheveux qui étaient abîmés, il me reste presque que des cheveux sains, je pense qu'il faudra que je recoupe plus tard, on va dire à peu près ça, puisque maintenant mes mèches blondes doivent m'arriver à partir de là je pense, j'en sais rien, enfin bref. Donc, et vous aurez pu remarquer aussi, j'ai fait un petit maquillage automnal, comme ça y est, on est en automne. Donc voilà, si ce maquillage vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et je vous le referai sans hésiter en vidéo. Et on est ravi de vous parler tout simplement des effets que ça avait eu dans ma vie depuis que je me suis intéressée au développement personnel, depuis que j'ai lu les 4 accords Toltec, depuis que je fais la Miracle Morning Routine, etc. Donc déjà, je dirais que le but de toute façon du développement personnel, c'est de savoir qui on est, de savoir finalement ce qu'on aime, de réussir à se trouver. Et je pense avoir réussi à me trouver. Bien sûr, on évolue, donc là j'ai trouvé des choses qui me correspondent à l'heure actuelle, ça correspondra peut-être plus à ça dans quelques années. Mais voilà, j'ai vraiment... en fait, mon but, j'allais dire ma quête ultime, non mais presque, c'est d'être quelqu'un de bien, quelqu'un à l'écoute des gens, quelqu'un qui aime. Parce qu'en fait pour moi la vie c'est l'amour, tout passe par l'amour. Et alors, quand je dis ça tout le monde dit oui tu crois dans le monde des bisounours et tout. Mais non, pour moi la force ultime dans la vie c'est l'amour. Et donc c'est transmettre le plus possible d'amour à différentes personnes, de différentes manières que ce soit. Voilà, j'ai réussi à faire en sorte que chaque chose ait sa place dans ma vie, dans mon quotidien, trouver un temps pour chaque chose, et c'est ça en fait qui me manquait. C'est-à-dire que voilà, maintenant j'ai le temps de me remettre au sport, je me suis mise à courir, chose que je détestais avant, et en fait non, je me suis mise à courir parce que dans la Miracle Morning Routine, ils préconisent de courir, mais aussi parce que ça fait un bien fou, on se sent tellement mieux dans son corps, tellement libéré, tellement libre, enfin... Voilà, je me suis mise à la méditation, chose que je ne connaissais pas du tout, avec les différents types de méditation, ça nous apprend en fait à être à l'écoute de soi-même, et c'est je pense la clé, c'est réussir à écouter son corps, à écouter ce qu'on veut, à ce moment-là, ce dont notre corps a besoin. Et je pense que c'est ce que j'arrive à faire petit à petit et c'est ce qui me plaît parce que je me sens de mieux en mieux. J'arrive de mieux en mieux à détecter voilà, telle ou telle chose. J'arrive à être bien en passant par des choses simples et en se rendant compte que le psychisme a un impact folle sur nous, que le mental a un impact folle sur le corps, que voilà, je suis en train de découvrir finalement tout ça, d'apprendre tout ça, et c'est quelque chose de passionnant je trouve. Donc là je m'éparpille un peu, je suis désolée, on va se reconcentrer. Mais voilà, donc j'ai réussi à m'ouvrir donc à plein de choses, à faire du sport, donc en passant par la course, le fitness, le yoga, parce que ce sont des choses que je ne pratiquais pas du tout avant. J'ai réussi à avoir une certaine ouverture d'esprit sur différentes choses, c'est-à-dire voilà, ne pas avoir d'idées forcément arrêtées, tranchées, et plutôt essayer de comprendre pourquoi est-ce que les gens pensent ça ou ça, et pas forcément être d'accord avec eux, mais juste voilà, être plus ouverte. J'ai l'impression d'avoir plus d'énergie, d'avoir plus de force. J'ai envie de faire plein de choses, j'ai envie de... voilà, de voyager, j'ai envie de profiter, j'ai envie de forcément de réussir dans mes études, mais j'ai l'impression d'avoir plus de niaque pour certaines choses, de savoir ce que je veux et ce que je ne veux pas,
de se dire que bah voilà, on a de la chance d'être en vie, on a de la chance d'être en bonne santé, on a de la chance de pouvoir faire des études et on n'en profite pas assez, et de pouvoir remercier finalement tout ça, de pouvoir être reconnaissant en fait. Je pense que c'est ça qui se passe en ce moment, c'est que j'ai une prise de conscience par rapport au fait que je suis reconnaissante de tout ce que j'ai, de toute la chance que j'ai, et je trouve qu'on n'en profite pas assez. Et c'est vrai que bah voilà, tout ça, ça m'aide. J'ai pu en fait m'en rendre compte, même si je m'en rendais déjà compte avant, mais c'était pas pareil. J'ai pu m'en rendre compte grâce aux différentes lectures que j'ai faites, au changement d'habitude que j'ai fait, voilà, par rapport à tout un ensemble de choses, et tous les effets positifs, c'est que je me sens bien. Il y a aussi l'alimentation, parce que il y a une prise de conscience qui a été faite à ce niveau là hein. C'est sûr que quand il y a un changement radical d'habitude, il y a aussi l'alimentation qui passe par là. C'est-à-dire que je pense avoir trouvé à l'heure actuelle une alimentation qui me correspond par l'écoute de mon corps, par l'écoute de plein de choses. Je ne suis pas végétarienne pour le moment, je ne suis pas prête à sauter le pas. Je sais que je le deviendrai. À l'heure actuelle, ça me fait encore peur, j'ai envie de dire. Donc je n'ose pas sauter le pas. Mais parce que je pense que tout simplement je ne suis pas prête, c'est pas le moment. Mais voilà, c'est vrai que je mange beaucoup plus sainement, je prends énormément de plaisir à manger des choses simples, j'allais dire, voilà, à manger des choses végétales. C'est quelque chose qui me correspond à l'heure d'aujourd'hui, parce que je ne prends et je n'ai jamais pris de plaisir à manger de la viande, à manger du poisson, à... voilà. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai pas stoppé complètement toute la viande, tout le poisson, etc. Mais c'est vrai que j'ai énormément minimisé, et je préfère, faire des équivalences. C'est-à-dire que tout ce que la viande apporte, on peut le retrouver ailleurs. On peut le retrouver je sais pas, en mangeant du quinoa, en mangeant des lentilles, en mangeant en prenant des compléments alimentaires, en mangeant du tofu. Voilà, en mangeant, j'en sais rien, des multitudes de choses. Et c'est aussi, voilà, changer ses habitudes alimentaires, esprit sain dans un corps sain. En tous les cas, je pense avoir trouvé une alimentation qui me correspond. Donc en mangeant, en sachant tout simplement ce que je mange, et en mangeant des choses qui me font envie. Voilà, il y a tout ça. Il y a le fait aussi que ben, maintenant, quand je vais manger de la viande, puisque j'en mange encore, hein, même si ça devient de plus en plus rare, j'en mange encore. J'ai une part de réflexion, si vous voulez, avant de manger, que ce soit de la viande ou du poisson. Et c'est vrai que avoir trouvé un rythme de vie qui me correspond très bien, avec une certaine prise de conscience sur le monde, avec le fait de m'être remise à lire, à faire du sport, à m'intéresser à des choses, à écrire, puisque dans la Miracle Morning Routine, on nous oblige, entre guillemets, à écrire, à faire des affirmations. Et c'est vrai que tout ça, ça a un côté énormément positif, car je trouve qu'on se sent en tout cas beaucoup plus en confiance par rapport à soi-même, beaucoup plus motivé, qu'on a plus de niaque, qu'on est plus reconnaissant par rapport à ce qu'on a, qu'on a plus la joie de vivre, qu'on est plus heureux, qu'on arrive à prendre plus de recul sur certaines choses. Donc voilà, c'est une vidéo, je pense, un petit peu fouillis bazar là. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vous aussi tout vos ressentis par rapport à ce que je viens de dire, si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord. N'hésitez pas aussi à me partager tous les ouvrages que vous connaissez par rapport au développement personnel. D'ailleurs, j'en ai acheté un nouveau que je vais partager avec vous, qui est La Voie de la Connaissance, un guide pratique vers la paix intérieure, de Don Miguel Ruiz, donc qui est l'auteur des 4 accords Toltec, qui a sorti donc ce livre-là, qui était sorti aux États-Unis il y a quelques temps et qui a été retranscrit en français il n'y a pas si longtemps que ça. Donc du coup voilà, je l'ai acheté, je ne l'ai pas encore lu. Donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé.
voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai vraiment essayé d'être la plus ouverte avec vous, la plus transparente avec vous. C'est vrai que c'est, je trouve à l'heure d'aujourd'hui, assez difficile de pouvoir donner son avis sur YouTube sur certains points sans être jugée, sans être clashée, sans être rangée dans une catégorie. Enfin, voilà. Donc en tous les cas, j'espère que ma vidéo ne sera pas mal prise et que vous allez tout bien et voilà, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.